Émilie Faniche, famille nombreuse, a accouché de 9e enfant, elle partage un adorable cliché. Émilie et Franck Faniche sont sur un petit nuage. Ce mercredi 22 mars, les vedettes de l'émission Famille nombreuse, La vie en XXL, ont accueilli leur 9e enfant. Il s'agit d'une adorable petite fille, dont ils ont dévoilé un cliché sur Instagram. Ses abonnés Instagram savaient que ce n'était plus qu'une question de temps. Dans la soirée de ce mardi 21 mars, Émilie Faniche, vedette de Famille nombreuse sur TF1, avait annoncé que l'arrivée de son 9e enfant était imminente. C'est l'heure, avait-elle fait savoir avec un cliché d'elle auprès de son mari Franck dans sa chambre de maternité. Le papa avait alors précisé dans sa story Instagram que le col de son épouse était ouvert à 5 et qu'il n'en pouvait plus d'attendre de faire connaissance avec sa nouvelle petite merveille. C'est finalement après quelques heures que la petite sœur de Nia, Miley, Eden, Naël, Amy, MJ, Ali et Eva a pointé le bout de son nez, comme l'a indiqué le couple. Pour annoncer la naissance de cette dernière, ils ont posté dans leur story un cliché de l'enfant allongé dans son landau, emmitouflé dans un adorable body beige. « Bonjour », ont écrit en légende les deux amoureux, qui n'ont pour le moment pas l'intention de dévoiler le visage de leur protégé. Comme peuvent cependant le distinguer les internautes sur le cliché, la demoiselle a déjà beaucoup de cheveux. C'est en octobre 2022 qu'Émilie et Franck Faniche avaient annoncé attendre leur 9e enfant. Moins d'un mois plus tard, ils avaient également révélé son sexe, ce qui avait fait le bonheur des internautes. D'autant plus que pendant de longs mois, ils ont pu suivre la grossesse de la jeune maman qui, selon ses confidences à Télé Loisirs, a pris plus de 17 kilos. Ce sera en revanche la dernière fois que les fans la verront enceinte puisque Émilie Faniche a été très claire à ce sujet, il n'y aura pas de 10e bébé. Déjà celle-ci n'était pas prévue. On avait prévu de ne plus avoir d'enfant mais les choses ont fait qu'elle est arrivée. Pour notre plus grand bonheur. Mais vraiment, c'est terminé, c'est la dernière. A-t-elle martelé? Ne jamais dire jamais?